Salut John! Ouais, bon, tu vois, là, je suis devant le mur Fender, et en fin de compte, on est en train de mettre au mur, tu vois, les toutes nouvelles Performer qui viennent d'arriver. Non, une nouvelle Ouais, série? tu vois, je viens d'en accrocher une, là. Hop, 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 Bah hop. dis donc. Ah ouais, regarde un peu. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal du tout. Bon. C'est beau, c'est tout chaud, c'est tout neuf. Tu vois? Alors, bien sûr, il y a les Strat, évidemment, il y a les Telecaster, mais Il n'y a pas que ça. il n'y a pas que ça. Hein, il n'y a pas que Bon. ça. Il y a plein de modèles. Alors, je la remets, puis et tu me suis parce que là, j'étais en camp de, justement, sortie du four tout chaud, d'essayer un petit truc là-bas dans le fond. Suis-moi. Ok. Tu vois? Tiens, Alors, attends, celle-ci, ouais. c'est une nouvelle aussi. C'est une Eh performeuse. ouais. Regarde, Penny. Une jazz. Ah Jazz ouais, mais passe en c'est trop beau. Penny. Alors, franchement, là, tu vois, encore, moi. Je suis fan de toutes ces couleurs Fender, là, tu vois. Je trouve ça à tomber, quoi, tu vois. C'est magnifique ça, C'est ouais. magnifique, c'est magnifique. Alors, en plus, ce n'est pas que magnifique, hein. Encore une fois, c'est un peu comme la série Player qu'on a essayé un petit bout de temps. Ça sonne du feu de Dieu. Ok, Allez, allons voir suis-moi, ça. suis-moi. Alors, je me suis mis dans le coin vintage, comme ça, on va voir un petit peu parce que j'ai sorti une Honeyburst, tu vas voir. En Strat, hein, en Strat, parce que. Alors, pour la petite histoire, hein, ces La guitares télé est sont. partie ce matin. Ouais, les guitares sont arrivées posées et beaucoup sont partis. Hmm. Donc là, on va faire avec ce qu'on a, ce qu'il en reste, hein, il y a plein d'autres qui arrivent, hein, heureusement. Hein, mais on va essayer quelques guitares. Donc on va essayer surtout celle-là. Ok, Je marche un peu de allons-y. dos, ça se fait pas, mais c'est comme ça. Ah, moi, je filme les guitares en attendant. Hop. Voilà. Bon, bah écoute, dis-moi tout là. Si on parlait un peu des specs de cette guitare quand même, Bon, mon alors, Pascal. ils ont fait fort. Ouais. Cette nouvelle série, ça remplace les American Specials. Yes! Donc, qui étaient les guitares qui étaient donc le début de gamme américain avec des micros Texas Specials. Absolument, ouais. Donc, cette année, enfin cette fin d'année, donc Fender arrive avec les nouvelles Fender Performer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Nous sommes. Allez, on commence. Alors, on commence par la tête, c'est parti. Logo, années 70. Ouais. On est sur des mécaniques Classic Gear. Donc plutôt, tu vois, Ancien modèle. ancien modèle, Ouais. mais on est sur du ratio 18-1, comme Ouais, donc donc bon. des trucs modernes. Ouais. Bon, 22 frettes, hein, on reste sur de la Strat moderne du coup. Quoi d'autre? On est sur du palissandre, pas de Paoferro sur ces Ouais. séries-là. Hein. Ouais. Palissandre ou érable, c'est au Oui, choix. Il bien y a sûr. certaines, elles sont pas toutes disponibles. Certaines couleurs sont en érable, certaines couleurs sont en palissandre. Voilà. Donc celle-ci, c'est la petite Honeyburst. Ouais, elle est jolie, hein. C'est pas Franchement, mal du tout, très c'est jolie encore guitare. mieux en vrai que sur la Oui, vidéo. oui. Alors, qui a d'autres encore? Bah, les Des micros! micros! Ah! Eh ben, c'est plus des Texas Specials, c'est Non. des Yosemite. Donc voilà, Alors, comme le fameux parc le parc naturel. aux États-Unis, hein, donc Voilà. voilà, Donc côté San Francisco. nouveau micro par Fender. Donc, ils appellent ça des flat staggered pieces, donc Ah the ouais? flat staggered pole. D'accord. Donc, on est sur des micros à plat, mais qui sont décalés. Absolument, Voilà. voilà. Ensuite, quoi Eh ben, j'ai un d'autre? petit truc Eh ben, il y a nouveau. une électronique assez Yes! particulière. Voilà. Bon, alors, au niveau de l'électronique, nous avons un push-pull sur la dernière tonalité qui rajoute le micro-manche sur toutes les positions. Ouais, alors ça c'est rigolo parce que tu vois, je vais le faire là, tu vois, je vais faire pas grand chose, hein. Cristin, Ouais, ouais. je vais tout de suite avoir un petit truc en plus dessus. Je vais mettre même en son clean pour qu'on l'entende bien. Je vais le mettre sur le micro justement là. Je tire. Voilà. Ça donne encore une perspective différente hein, sur la Des strat. nouvelles sonorités, ouais. La Strat qui était déjà la guitare la plus polyvalente, là Voilà, elle devient encore je vais plus avoir polyvalente beaucoup plus quoi. d'attaque dessus, encore une fois, avec ce petit push-pull. Mmh. Plutôt une bonne idée, encore une fois, c'est novateur pour une Stratocaster. Je dis bien US parce qu'on est bien US, hein, Oui. voilà, avec cette guitare.
Donc début de gamme US, elle est avec son... Avec du punchy, hein, parce que cette guitare encore me rappelle bien toutes les strates que j'aime bien. On peut faire un track truc avec. Hein. Niveau de l'électronique, il y a un petit truc aussi, on est sur un circuit Grease Bucket, donc qui était le fameux circuit qui était utilisé par le Custom Shop. Et en fait, ça, tu peux couper tes aigus sans perdre ta clarté voilà, et ton ouais, c'est gain. Ça, ouais. Donc voilà, le Grease Bucket et le Push-Pull, voilà les deux voilà, trucs novateurs. Les deux. Ouais, ouais. En gros, ça nous donne une palette de sons différente que sur les autres Stratocaster qu'on connaît tous. Hein. Voilà, c'est plutôt très intéressant sur les Play Performer. Est-ce que la Telecaster est équipée pareil? Bonne question. Il va falloir qu'on se penche sur le problème. Hein. Ouais, alors, ouais. Elles sont arrivées, elles sont reparties, on va les revoir bientôt. Je me rappelle plus s'il y a ce même système sur la Telecaster, mais je ne crois pas. Non, alors en fait, tu vas avoir différents systèmes. Ouais. Parce que la Telecaster, bah, elle existe en version 2 micros simples, mais aussi avec un simple en chevalet et un simple en manche et un double en chevalet. Donc avec un cold split double tap. Enfin bon, tout ça, ce sera à voir dans une nouvelle vidéo quand on aura les Telecaster. Ouais, du coup. La série est assez complète parce que du coup, on a la Jazzmaster, on a la Mustang. On a de la précision, on a de la jazz, de la télé simple, de la télé double, et puis de la Strat en HSS aussi, et de la single coil. Donc moi, plutôt une belle addition à la nouvelle gamme. Voilà, une guitare très facile à jouer, on n'a pas beaucoup essayé aujourd'hui, mais en tout cas ça c'est la nouvelle ligne Fender Performer, à savoir que Fender a vraiment renouvelé toute sa gamme, hein, Pascal. On est passé sur Player, Performer, American Pro, American Original, et tout ça pour vous dire que la qualité est vraiment au rendez-vous. Hein. On n'a pas changé les gammes pour changer les gammes, vraiment on amène quelque chose de neuf, et on a des magnifiques instruments. Alors là, c'est une guitare qui va tourner dans les prix, je vous donne ça tout de suite, dans les 1100 euros. À peu près à l'instant D quand je vous parle. Franchement, 1100 euros, qui les valent bien. Avec plein de coloris, encore une fois, il y a les télés, il y a plein de choses. Cinq nouvelles couleurs, du coup. Cinq nouvelles couleurs, je pense que M. Fender en fera plus peut-être après. On verra, on ne sait pas. C'est lui qui décidera tout ça. Mais on s'aperçoit que cette pelle, elle a tout pour faire du rock'n'roll et puis pour monter sur scène. Salut.